Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, il n'y a eu qu'une vidéo la semaine dernière, mais j'ai clairement manqué de temps. Donc je vais tout faire cette semaine pour vous en produire deux. Et notamment celle-ci, qui est une vidéo sur ma nouvelle île. Puisque comme vous l'avez vu, ou alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, ma vidéo sera dans le petit, mais j'ai terminé mon île mexicaine. Ça y est, elle est terminée, donc je suis trop contente. Ça me fait trop bizarre en même temps de passer à un nouveau thème, j'ai pas encore l'inspiration pour l'instant. Mais je voulais quand même vous partager un petit peu les projets que j'ai sur cette île là. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai deux îles. Mon île principale qui s'appelle Cori et qui est mon île mexicaine, et cette île là qui s'appelle Aponi et qui est mon île secondaire. Alors secondaire parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore aménagée. Mais voilà un petit peu comment se compose la carte pour l'instant, et depuis que j'ai commencé cette partie là, je n'ai absolument rien fait sur cette île là, que ce soit en termes de recherche d'habitants ou quoi que ce soit. J'ai juste cassé un petit peu le remodel qu'il y avait un peu partout sur mon île et gardé les falaises du fond parce que je vais en avoir besoin, mais c'est absolument tout ce que j'ai fait sur cette île là. Donc voilà, on va pouvoir enfin avancer ensemble. Et pour ceux qui le savent pas, on part sur un thème Santorin. Donc voilà, j'avais très très envie de créer quelque chose dans cet esprit là parce que j'adore. Je suis allée à Santorin il y a moins d'un an et j'ai adoré ce voyage là. Déjà tout le long de la plage du bas, donc ça va aller de gauche à droite, vraiment pendant tout le long de mon île, on va créer en fait, alors je sais pas quel nom ça a Santorin, mais en gros au bord de la mer à Santorin, tout du long, il y a des espèces de bars, de restaurants, des glaciers, des stands de jus de fruits, etc. Et les plages, en fait, sur les plages, il y a tout ce qui est ben, les transats pour boire un verre, enfin pour bronzer avec la mer. Donc voilà, en fait ça c'est déjà tout le bas de mon île, ce sera ça que je vais créer, vraiment retrouver cette ambiance là avec plein de boutiques différentes, même une boutique de plongée, etc, etc. Donc c'est ce qu'on va retrouver déjà en priorité, et ça va être en fait l'entrée de mon île, et je pense que ce sera la première vidéo de ma chaîne sur le thème Santorin, je verrai. Donc pour l'instant vous voyez, je suis en train de tester les motifs, je sais pas s'ils me plaisent parce que j'aimerais peut-être qu'ils soient plus blancs. Sur toute la seconde partie, je vais créer aussi des espèces de falaises parce que à Santorin c'est très très rocheux, il y a très peu de végétation, il y a beaucoup de... Bah, c'est montagneux hein, Santorin clairement. Donc du coup je vais créer des petites falaises avec pas forcément beaucoup de choses dessus. Et on arrive au niveau de la place de la mairie, donc là je vais faire une énorme zone commerçante avec des habitants qui vont me servir pour faire des petites boutiques. Et voilà en fait un petit peu ce qu'on va retrouver ici. On va retrouver aussi un grand parking avec des bus, parce que quand on arrive de l'aéroport à Santorin et qu'on n'a pas loué de voiture, et ben on prend le bus en fait qui fait aéroport centre de Santorin, et du coup il y a énormément de bus qui se retrouvent ici parce que ils permettent d'aller dans un peu toute l'île en fait. Donc c'est ce que je vais recréer ici. Et en fait juste à partir de derrière ma mairie, donc ça va être, je vais vous montrer sur la carte, une grosse partie de mon île, elle sera uniquement sur les falaises. Donc en fait j'ai envie de recréer ce genre de vue que vous voyez tout de suite à l'écran avec des photos, des réelles photos de Santorin. J'ai envie de créer comme plein de petits hôtels un peu partout, parce qu'il y en a beaucoup avec des piscines. J'ai envie d'utiliser aussi les maisons des habitants pour créer soit des boutiques, soit des vraies habitations, soit des petits hôtels ou des choses, des petites choses un peu partout, je sais pas encore. Mais en gros je veux vraiment recréer ces vues mythiques de Santorin et me servir justement de la falaise et de l'eau qu'il y a derrière pour faire comme si c'était l'océan et qu'on avait le même genre de vue à Santorin. C'est pour ça que je veux vraiment garder ces falaises là comme ça, et je vais m'amuser en fait avec les différents niveaux pour créer des points de vue. Alors on va tester ensemble, j'avais créé ce trou exprès pour vous le montrer. On va tester ensemble, voir comment je pourrais aménager ça. Honnêtement j'en sais rien encore, là je suis en train de vous montrer une phase expérimentale de mes idées, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'esprit que j'aimerais donner à cette île là. Et encore va falloir que je m'amuse à accumuler encore plus d'objets, mais voilà c'est juste pour avoir une première idée. Donc l'idée en fait ce serait de faire des espèces de points de vue comme ça assez emblématiques de Santorin avec ces différents items que vous voyez à l'écran, m'amuser en fait à créer comme les églises, parce qu'en fait tous les dômes bleus qu'on voit dans les photos mythiques de Santorin, ce sont des églises. Et en fait du coup j'ai bien envie de m'amuser avec les cloches de mariage et les belvédères, je pense que c'est des items qui peuvent complètement aller dans la thématique. Hop, on va placer par exemple des cloisons pour faire comme si l'église était fermée. Ça se trouve je suis en train de vous montrer un truc qui sera complètement nul à l'écran et je vais regretter de vous avoir montré ça, mais c'est pas grave, on est en train de tester. Et je vais aussi placer, alors je crois que je l'avais pris dans mes poches, un silo, parce qu'en fait le silo, alors il faudra peut-être plus qu'il soit en arrière-plan,
parce que là je pense que ce sera pas très joli. Mais le silo il a un toit très bleu, donc je pense que lui aussi je vais le placer mais pas devant, donc je le mettrai à un autre endroit. Mais voilà un petit peu l'idée. Alors bon, là c'est un peu en vrac hein, honnêtement, ça manque énormément de relief et de choses, mais c'est un petit peu l'idée que j'aimerais avoir. Et j'ai aussi très très envie de m'amuser avec les espèces de moulins à vent, parce que encore une fois, je vous mets une photo à l'écran pour que vous puissiez vous représenter. Je crois que c'est à Oya, oui c'est à Oya qu'il y a les fameux moulins qu'on voit souvent sur les photos Instagram. Ils sont magnifique, hein. Je comprends que ce soit sur les photos Insta parce que moi-même j'ai pris la même chose quand j'y suis allée et je trouve que c'est hyper beau. Donc pareil, je vais essayer d'utiliser cet item là, je vais voir en quelle couleur je peux le personnaliser parce que je sais pas si c'est la meilleure couleur que là j'ai utilisée, mais c'est un petit peu l'idée. Bon, là ça rend rien du tout ce que je suis en train de vous montrer, mais voilà un petit peu le style que j'aimerais avoir, les couleurs que j'aimerais avoir. Je veux vraiment qu'on soit sur du blanc, du bleu forcément comme à Santorin, et pareil au niveau des sols, ce sera exactement le même style. Et je vais m'amuser avec le relief parce que j'ai vraiment envie de m'amuser avec ce relief et essayer de reproduire au mieux ces espèces de falaises emblématiques de Santorin avec les villages qui sont vraiment en cascade, on va dire, à flanc de falaise. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un challenge que je suis en train de faire. Je sais pas si j'irai au bout de mon projet sur cette île là mais ça me fait trop kiffer de faire une île sur Santorin, donc on verra ce que ça donne. Et de toute façon, vous avez vu un petit peu les photos que j'ai mis en inspiration. Et qu'est-ce que je devais vous dire de plus? Et oui, il y aura des zones qui seront complètement désertiques, peut-être entre certains passages ou quoi, je sais pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de zones où il y a absolument rien, où il y a juste des vignes en fait. Parce que bah, Santorin, ils font leur propre vin. Donc du coup, je vais peut-être aussi m'amuser à créer des grandes vignes à certains endroits. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'était très chill parce que je voulais vous expliquer un petit peu les projets que j'avais pour mon île avant même qu'on commence à travailler sur l'île en elle-même. Donc il n'y a pas forcément de déco aujourd'hui puisque c'était plus à titre informatif pour pas que vous soyez perdus. En tout cas j'espère que ça vous plaît, j'ai trop hâte de commencer les travaux ici, je pense que ça arrivera dès la semaine prochaine. Donc restez dans le coin, ça arrive très vite, et puis en attendant je vous dis à très vite pour la suite, salut !